à tous, c'est Michael Samouraï, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième anniversaire de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Et donc du coup, bah, qui dit deuxième anniversaire dit nouveau portail, nouvelle carte et plein de belles choses. On va aller voir ça dans le shop, nouveau pass. Et alors, on a ici un magnifique bundle du dragon blanc aux yeux bleus. Regardez-moi ça. Donc on a en royal la carte du dragon blanc aux yeux bleus. L'année passée, donc on avait eu le magicien sombre. On a ça aussi, c'est magnifique, franchement, vous mettez ça sur votre icône. Ah là, franchement, c'est la classe. Règle pour la pochette, je mets 3 000 cristaux. La pochette, franchement, elle est incroyable, elle est magnifique. Elle est magnifique, voilà. Ça, franchement, ça, ouais, mais c'est incroyable. Je trouve que, franchement, après, ils auraient pu faire une petite animation, ça aurait été cool, mais sinon, ouais. Et on a aussi le terrain. Le terrain, voilà, qui a l'air de rendre super bien. Ah ouais, ouais. Mais 3000 cristaux, c'est quand même cher. Avec ça, tu peux faire 3000 d'invocation en fait. Pour moi, ils auraient dû mettre ça peut-être à 2000. Après, je le prendrai quand même. Voilà. Surtout qu'après 62 jours, ben, on l'aura plus, je pense. Et il faudra peut-être attendre pour le 3e anniversaire. Parce qu'on a aussi le terrain du 1er anniversaire tout en bas. Si on va dans accessoires, on va dans terrain de duel. Je ne sais plus, attendez. Je crois que c'est... Bah voilà, vous avez le bundle premier anniversaire pour ceux qui l'ont pas. Et bah moi je l'ai, bah, vous le voyez bien. Voilà, qui est magnifique aussi. Très beau terrain, très très beau. Et alors, bah là, voilà, on va faire des invocations sur plongée dans le futur. On a la nouvelle carte, elle est enfin arrivée. Diable Star. Là voilà. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter cette carte? Je crois que tout le monde la veut. La sorcière sombre. Cette carte, elle est incroyable de fou. Voilà, vous pouvez la jouer dans un deck feu, avec de serpent. Voilà, cette carte-là aussi, qui est monstrueuse, cette carte, franchement. Attendez 2 secondes, je me mets bien. Voilà. Cette carte aussi, je vais pas lire tous les effets des cartes et tout, je pense que vous les connaissez. Cette carte là, peuplée de l'œil de serpent, cette carte, faut pas la sous-estimer, hein, un petit chat niveau 1, c'est très puissant, c'est très très puissant. Et Chevalier Noob aussi, et qui dit Chevalier Noob, on a cette nouvelle carte aussi, l'Empereur Charles le Grand. Voilà, cette carte est très très puissante, et justement je me suis fait Abdak Chevalier Noob, mais bon il faut que je crafte les cartes et tout ça, pour essayer de les avoir, donc... c'est compliqué, mais justement, on a ce portail, voilà. Et puis, on a aussi cette carte, hein, chercheuse du butin de péché, très importante pour Diable Star, avec cette carte-là aussi. Je peux vous montrer vite fait un peu le deck que Chevalier Noob, là. Voilà, Chevalier Noob. Et c'est marrant parce que j'ai fait un duel juste là à l'instant, et du coup, je suis déjà tombé sur une personne qui jouait déjà Chevalier Noob. Donc, à mon avis, attendez-vous à... à tomber sur du Chevalier Noob. Hein. Et voilà un peu le deck Chevalier Noob. Donc il y a peut-être 2-3 trucs que je vais peut-être rectifier. Mais voilà un peu le deck. Et j'ai, comme vous voyez, j'ai beaucoup de cartes à avoir. Quoi. Voilà, ici j'ai mis ça en 2 fois qu'il me faudrait. Ça en 2 fois. Ça, une carte très importante. Cette carte-là aussi qui est très 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 forte. UR, beaucoup de cartes UR. Bah, voilà. Bon, ici, voilà, je l'ai mis en 1 fois, Double Star, parce que j'ai ça qui me permet d'aller la chercher. Ça que j'ai mis en 3 fois. Voilà, ça me permettra d'aller la chercher. Il y a aussi cette carte là qui va avec Diable Star, qui est très forte aussi. Voilà, je vais pas lire tous les effets parce qu'on est là pour évoquer, mais on peut faire des très bons combos avec, parce que avec cette carte là en fait, non, attends, je crois que c'est avec celle-ci. Ouais, celle-ci permet d'aller chercher des monstres de niveau A. Donc celle-ci va permettre d'aller chercher une carte en fait de magie ou piège péché, donc celle-ci par exemple, ou celle-ci, vous allez chercher ça. Avec ça justement, en fait avec ça vous allez chercher un Diable Star, vous invoquez ça, avec ça vous allez chercher ça, ensuite vous faites, vous activez cette carte, vous pouvez invoquer un monstre feu de niveau 1 depuis votre deck, en envoyant une carte face recto que vous contrôlez, et puis bref, fait pas mal de trucs, puis ajouter un monstre feu de niveau 1, donc si cette carte est dans le cimetière, si votre carte est dans le cimetière, vous pouvez cibler un monstre à une serpent ou Diable Star dans votre cimetière, ajouter un monstre feu de niveau 1 depuis votre deck à votre main, puis placer le monstre ciblé au-dessus du deck. Donc, et vous pouvez aller la rechercher, je crois, avec cette carte. Voilà, cette carte permet d'aller rechercher ce sein et tout. Enfin voilà, il y a un combo et tout à faire avec Diable Star.
Puis voilà, je vais aller nope. Un deck qui est très fort. Un deck combo. Hein. Il faut bien connaître le deck quand même. Hein. Voilà, c'est un peu comme Dragon Link. Peut-être même en pire. Donc il faut savoir bien le maîtriser. Voilà, parce que vous savez, vous avez des decks contrôle, combo. Voilà, et j'ai fait aussi Diablo Star. Et là, c'est avec l'œil de serpent. Voilà. Voilà, regardez l'œil de serpent. Avec Diablo Star que j'ai mis ici en 3 fois. Voilà, parce que là, on va le jouer pas mal ici. Voilà, puis c'est en 3 fois. Et puis, ouais, ça aussi, c'est une nouvelle carte aussi, la Princesse Prométhéenne, que j'ai toujours pas. Bah, c'est une nouvelle, elle va sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Très forte, hein. Elle va que dans les decks feu, mais elle est très puissante. Puis voilà, ici, comme on a fait vraiment un full Diablo Star, on a des cartes justement ici, justement pour buter du péché. Cette carte, très. Attendez. Il y a cette carte là, la magie de terrain. On a une carte qui est très forte. Attendez, je sais plus laquelle. on a celle-là. Celle-là, je vous l'ai montré, oui. On va pas tourner autour du pot. J'ai besoin de ces cartes. Et donc, du coup, on va aller invoquer tout de suite. On a 4586 cristaux. Donc, on va faire 4 multi. Peut-être qu'on en fera plus. Voilà. Mais je vais pas vous cacher qu'il me faut. Bah en fait il me faut ça je m'en fous. Ça c'est fort aussi, révolution synchronique, donc ouais c'est très fort, donc ça je prends. Salamandre 4 TG, salamandre, ah non j'ai compris, je crois que c'était salamandre, okay. Je connais pas trop cette carte, puis après voilà il me faut tout ça. Voilà, après en SCR c'est vrai que j'ai pas été voir, enfin je vous ai pas montré, mais voilà il y a chevalier noble, ça aussi ça c'est plutôt pas mal. La freine de serpent. Puis voilà, vous avez tout ça. Ah, vous avez aussi le nouveau archétype, je vois TG. Donc, voilà. Puis vous avez ça aussi en R. Enfin, voilà. Je crois qu'on parle beaucoup là, mais attendez, on est à combien de minutes là pour voir. Nous sommes à 8 minutes. Donc, écoutez, c'est parti. On perd pas de minutes de plus. Et on invoque tout de suite. Voilà. Bon, alors. Soit je passe tout, ou on regarde ça ensemble. On va regarder ça quand même ensemble, voilà, pour le suspense. Alors, Chevalier Inop Inferno. Ok, donc ça c'est cool. Temple divine de l'œil serpent, donc c'est parfait. Voilà, avec des serpents. C'est parfait, il me faut tout ça. Ça c'est quoi, c'est, attention, c'est UR ça je crois. Et là, ah non mais je crois qu'il y avait une UR là. Ok, bon on a eu les deux chevaliers nobles. Hein. Attaquant puissant TG. Allez, là ça c'est UR ça. Ah ouais. Double Star. Allez, Double Star. Oh putain, tout ce qu'il me fallait pas. Je m'en fous. Bon bah, je la décrafterai. Voilà. J'ai aussi un deck héros élémentaire. Mais je sais pas si elle se mettrait dans ce deck là. Ok, butin du péché. Alors, est-ce qu'on a de UR ou une UR ici? Là si on a plus d'UR on va passer hein. Mais j'ai pas fait attention à l'animation, donc on va laisser. Lanceur trident, ok. Ah oui, ça va, on a un UR, parfait, nickel. Double Star, bon ça serait cool hein. C'est une carte super importante. On a même deux UR. Ah oui. Je crois en l'homme des cartes. Attention. Oui, je prends. Popier de l'œil de serpent. Et aussi cette carte. Ok, bah je prends. Parfait. Oh, ça va. Bon, il y a part l'héros élémentaire que j'ai pas besoin. Mais c'est pas, ces deux-là, ça va. Voilà, bah, ça va. On commence bien, ça va, on va dire. C'est parti.
Alors c'est vrai que je joue Chevalier Noob, mais on peut aussi jouer avec plusieurs cartes. Et ils ont pas encore mis cette carte là, je vais vous les montrer justement. Parce que j'aimerais bien les jouer en fait avec Spadassa des Flammes, parce que voilà, tout le monde connaît Spadassa des Flammes. Et ils ont fait une nouvelle carte avec des nouveaux effets et tout ça, très très puissant. Je vous montre ici, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça. Et enfin, vous avez plusieurs, voilà, vous avez Royaume des Flammes. Mais ils ont pas encore mis tout ça sur Master Duel, donc je peux pas le faire, donc voilà. Mais avec ça, ça sera encore, à mon avis, plus fort. Allez, c'est parti, on invoque. J'ai pas fait attention à l'animation. Merde, ce que j'ai fait, j'ai pas fait attention à l'animation. J'ai presque envie de passer. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Ok, ça. Ah, attention. UR. Magnifique. Incroyable. Ah oui, bah parfait, 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 nickel. Avec tout ce que je chope, bah, je vais pouvoir justement les jouer. D'ailleurs, j'ai plusieurs decks à vous montrer, j'en ai fait beaucoup, mais voilà, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais si vous aimez bien les vidéos sur Master Duel et tout ça, et que vous voulez que je vous montre des vidéos avec mes decks, bah, faites-le moi savoir. Et on fera des vidéos. Hein. Alors, je sais pas s'il y a une autre UR. Bon, je vais mettre comme ça. Ouais. Ok. Allez. S'il te plaît. Non, malheureusement, ce sera SR. Ce sera SR, mais qui me sera utile. Le musée des armes nobles. Ok. Ok, ok. Alors, il n'y a pas toutes les cartes chevalier Noob. Enfin, quoique. C'est vrai qu'on en chope beaucoup quand même. Parce qu'il y a un autre portail justement avec chevalier Noob, justement. Bah, c'est parti. Et là, on a une UR, ou peut-être même deux, ça dépend. Parce que parfois, il nous montre une UR, mais il est possible d'en avoir plusieurs, en fait. Et on commence par la première UR, direct. Ça rigole pas. Et, bah parfait, parfait, bah je prends. Bon, j'ai toujours pas eu Double Star. Non. Bon, le raid, je sais pas si je vais passer ou pas. Alors, je sais pas si je vous ai mis le son du jeu. Je sais pas si je vous ai mis le son du jeu. Je crois pas que je vous ai mis le son du jeu. Au pire, si, enfin, je verrai bien, mais si c'est pas mis, je mettrai une musique en fond. Et la prochaine fois, je mettrai une musique la musique du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Ok, muté du péché, ok. Nope, ok, ok. Allez, s'il te plaît, donne-moi une autre UR là. Il commence à faire chaud là. Il commence à faire chaud. Ok, chevalier noble. Hein. Malheureusement, il n'y aura qu'une UR ici. Ouais, bah. Et. Ouais, je m'en fous, franchement, honnêtement, je m'en fous. Et il nous reste, ben, une. Une. J'espère qu'il n'y aura pas d'UR.
Encore cette carte. J'espère que là il y aura 2-3 UR là. Carte Chevalier Noble Inferno. La carte elle est magnifique, hein, je trouve celle-ci. Elle a vraiment la classe. Et celle-ci, punaise. Le dragon était sale chronique poussière d'étoiles. Très belle, mais bon. Elle m'est pas utile du tout. Donc là, tout cassé, on a 2 SR. Ouais, on s'en fout. Enfin, moi, personnellement, non. Enfin, peut-être plus tard, peut-être que je jouerai ça. TG. Je sais pas ce que ça vaut. Par contre, musée armes, bien sûr, il me faut. Bon, j'ai toujours pas eu la carte Chevalier Nope, l'allié, là. Et la sacro, là. Et si je dois commencer à les crafter, ça me fait peur, hein. Ah, ça coûte 30 UR. Donc il faut décrafter 3 cartes, c'est énorme. Ok. Ah là on a l'UR. Qu'est-ce que ça va être? Je ferme les yeux. Bah voilà. Bah là voilà, Diable Star, bah parfait. Parfait. Il fallait qu'elle tombe, il fallait pas qu'elle arrive. Imaginez Diable Star en royal. Ça doit être une dinguerie. Hop. Alors j'aimerais bien une deuxième UR s'il vous plaît. C'est les 2 ans. Oui. Le jeu m'a entendu. Le jeu m'a entendu. Bah oui, bah voilà, voilà. La Chevalier Noble Inferno, voilà ce qu'il me fallait. C'est parfait, c'est parfait. La carte, elle est très belle. Elle est très 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 belle. Ah, j'ai hâte de tester le deck. Bon, il y a encore beaucoup de cartes à avoir, mais on va aller voir ça. On va aller voir ça, mais ouais, non, ça va. On a eu Double Star, on a eu Empereur, donc ça va. On n'a pas eu ça? Je crois qu'on l'avait eu, moi, ça. On l'a pas eu. Ça, on l'a eu 2 fois, ça, on l'a eu. On a eu un truc comme ça. On a eu le... J'allais dire un truc, j'ai aucun respect pour le peuplier. Non, mais la carte, elle est très belle. Franchement, la carte, elle est très belle. J'aime beaucoup. Non, non. Ça, j'ai toujours pas d'ailleurs. Double Star, ok. On a eu ça une fois, donc ça, ça va. Ouais. Ça, on l'a eu 2 fois, donc ça, c'est bien. On pourrait le jouer 2 fois. Enfin, ici, dans ce... Là, ici, ça serait mieux de la jouer 3 fois. Mais... Après, ça n'est pas un deck qui peut la jouer 2 fois. Ok, ben voilà, encore quelques petites cartes à crafter. Et ici, dans Chevalier Noble, je crois qu'il y a beaucoup plus. Hein. Renault, il m'en manque encore 2. Lui, j'ai eu 2 fois. Lui, j'ai même pas eu. Ogier, j'ai même pas eu du tout. Cette carte, héritage du calice. Après, regardez ici comment les obtenir. Si vous voulez vraiment avoir ces cartes, peut-être qu'ils n'étaient pas justement dans le pack qu'on a invoqué. Mais ici, ils y sont. Donc il faudrait limite que j'invoque ici pour avoir bah ici voilà l'empereur là ouais à voir. À savoir qu'il y a aussi des promotions comme c'est les 2 ans pour 3000 cristaux, bah c'est 28 euros et alors ici bah, on l'a eu une fois, une fois c'est pas suffisant, limite il faudrait même que j'ajoute 3 fois, bah 2 fois ça va, c'est encore. Ça, on l'a pas eu du tout, malheureusement. Ça non plus. Ça, là, il me semble qu'on l'avait eu, ça. Ah, j'avais en tête qu'on l'avait eu. Ouais, bah voilà. Encore quelques cartes à essayer de crafter. Et j'avais fait aussi un deck Manadium, mais il est pas fini. Et j'ai fait un autre deck Feu. Bah, c'est le deck Secours As. Mais il n'est pas fini parce qu'en fait, il manque des cartes sur Master Duel. Je sais plus c'était quoi les cartes qui manquent. Il y avait une carte qui manquait qui est très importante qu'ils n'ont pas mis. C'est Extinction, cette carte là. Je sais pas si vous la voyez bas. Bah ils l'ont pas mis, elle est très importante. Donc il manque quelques cartes encore pour ce cure As. Après,
Regardez, ici j'ai. Ah non, extraction, je l'ai. Attendez, non, il y a une autre carte. Non, c'est pas celle-ci. Il manque. Ah non, c'est non, c'est un fond. C'est urgence. Il manque urgence. C'est une carte très importante et elle n'y est toujours pas. Je sais pas quoi la mettre. Voilà, après, je pense que le deck il peut être jouable. J'ai mis Therion avec parce qu'il va super bien. C'est un monstre machine. Donc il peut super bien aller avec ce deck. Mais voilà, ici j'ai beaucoup de cartes à crafter. Donc voilà. Et sinon, j'ai quand même pas mal de decks qui sont finis. J'ai, regarde, je vous montre vite fait. J'ai Monde Ténébreux que je joue en ce moment. Très bon deck, j'aime beaucoup. Franchement, il est génial ce deck. Je vous le proposerai en vidéo, je vous montrerai. Voilà, carte incroyable. Il y a une carte qui va te sortir pour justement Monde Ténébreux. Deux cartes. Qui est sortie récemment. Enfin, un peu plus, au petit moment quand même, il y a 4-5 mois je crois. Qui est une carte magie, mais qui est toujours pas son Master Duel, je pense pas, je l'ai pas vu. Et une nouvelle carte fusion, mais qui n'ont pas mis, elle va te sortir. Et il y a aussi une autre carte Monde Ténébreux qui est très importante, mais elle n'y est pas non plus. Mais bon, le deck est quand même très fort. Voilà, je joue avec danger. Qui n'est pas fini, j'ai encore beaucoup de cartes, il me semble, à crafter ici. Hein. Ouais, et puis on a ça, circulaire plutôt. Qui est limité à une ou qui est banni maintenant, pas dans Master Duel, puisqu'on n'a pas la même méta. Mais. Quoique, il est quand même pas mal funu. En fait, ici, il me pourrait circulaire, et c'est bon en fait. Hein. Circulaire, cette carte là, très importante. Ouais. Alors lui, c'est vrai qu'il est bientôt fini. J'ai même cette carte là, qui est très forte. Et en plus, c'est une SR, c'est étonnant. Bestial Branded, bah lui, il est fini. Je crois qu'il manquait. Ah ouais, parce que en fait, voilà, j'avais remis des nouvelles cartes pour qu'il soit encore plus fort pour le jouer avec Brandette. Et ouais, putain, il y a ça aussi, il y a ça. Et après, bah, j'ai AMP. Je vais pas tous les monstres, sinon la vidéo va durer 8000 ans. Mais Dragon Link, un de mes decks préférés, je pense. Incroyable. J'avais déjà montré une vidéo sur ce deck. Mais ici ça a changé, il y a des nouvelles cartes que je joue maintenant, le Bestial Lubellion. Et peut-être qu'il y aura peut-être 2-3 trucs en plus qu'il faudra que je change. Voilà, je vous montrerai une vidéo justement avec ce deck là parce que voilà, il a changé. Punk, très bon deck aussi, mais je l'ai pas fini. Tire la Monde, pareil, Sprite, j'ai pas fini. Exorceur non plus, Marine Cest non plus. Deck météorologique, bon, c'est pas terrible. Deck météorologique, je pense que je l'aurai. Cliffrayer, Stribligant. Ça, c'est un deck aussi que je vais proposer aussi sur la chaîne. Albas d'Espia, mais voilà, j'ai la version beaucoup plus puissante ici. Assaut de l'air, bon, ici je l'ai pas fini. Dragon Irene, c'était un bon deck aussi, faut pas le sous-estimer. Héros ultime, enfin, héros élémentaire plutôt. Voilà, pas mal aussi, j'aime bien aussi. Shadoy, ça fait longtemps que j'ai pu jouer Shadoy. Dritron, il a été touché, donc je sais pas s'il faudrait que je vois, mais j'ai la flemme d'aller voir. Deck Traprix aussi, deck Dino, deck Traprix qui est pas fini, Dino non plus, je serais pas tous les finir, deck pour moi, voilà. Deck très chiant ça, ah, mais avec des petits oiseaux qu'il faut des sacrifices et tout ça, et qui te pètent bien la gueule, hein. Franchement, c'est très chiant. Brigade, on s'en fout. Mais j'ai aussi un deck que j'aime beaucoup, c'est Labyrinthe. Et dans Labyrinthe, j'aimerais bien vous le montrer celui-là. Ah, j'adore ce deck. D'ailleurs, moi j'ai plein de decks. Enfin, ici j'ai 5. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. J'ai 7 decks chez moi. Et j'ai le deck Labyrinthe. Voilà. Et ils ont ajouté cette carte-là, Grande Bienvenue Labyrinthe, qui est très puissante. Je ne me rappelle pas si je vous avais proposé une vidéo avec ce deck-là. Ah, j'aimerais beaucoup. Et puis ils ont ajouté Mademoiselle de la Labyrinthe que j'attendais. Parce qu'avec cette carte là, c'est monstrueux. Le deck il est monstrueux. Mais voilà, il me la faut. Parce que je l'ai toujours pas. Mais il y a un portail justement qu'ils ont ajouté aujourd'hui pour l'anniversaire pour essayer d'avoir Mademoiselle Labyrinthe. Voilà. Mais j'aime beaucoup ce deck. Et il est ici. Hein, regardez. Vous allez dans le shop. Et vous avez un peu les cartes réédition qui sont ici. Avec une nouvelle Arturk de H. Et là, vous avez toutes les cartes réédition. Vous avez le Bestial, la Labyrinthe, Exorceur. Ça, j'adore cette carte. Je crois que c'est une de mes cartes préférées. Je pense. Je ferai peut-être une vidéo sur la chaîne, mon top 10 des cartes, peut-être.
Axe et Codeur, donc voilà pour ceux qui ne l'avaient pas encore. Les cartes en acer, qu'est-ce qu'on a en acer? Ok. Mais ouais, il faudrait que j'invoque aussi peut-être sur ce portail pour essayer d'avoir Mademoiselle Labyrinthe. Et après, sinon, on va vite faire un peu le tour. Vous avez ici des packs pour adversaire, un pack tirage gratuit. Voilà, bon, on va pas le faire ici. Allez, pourquoi pas? Allez, pour s'amuser, voilà. On va voir si on a de l'UR. Moi, il me faudrait Apollouza, le nouvel Artiork, voilà. Seigneur Chevalier. Assaut Solonal aussi, ce serait cool. Pour Fender aussi, il y a des très bonnes cartes. Hein. En plus, on a un tirage gratuit. Généralement, quand on a un tirage gratuit, on n'a pas d'UR. Enfin, ça m'est jamais arrivé. Donc, on va passer ça. Et on a eu de la moisissure. Voilà, merci. Bon. Après, on a pareil des packs tirage gratuit ici. Le Dual Pass. Donc voilà. Avec ici, je trouve que il est magnifique. L'œil des serpents, il rend super bien. Rien que pour ça, je vais être niveau 50. et après, on a aussi du Manadium, je ne l'avais pas montré. Du Supralourd aussi. Voilà. Mais bon, Supralourd, je pense qu'il n'y a pas tout. Enfin, je suis même certain qu'il n'y a pas toutes les cartes Supralourd. Donc ça. Quand il y aura toutes les cartes, je me ferai le deck super lourd parce que c'est un deck que j'aime beaucoup. Sprite. Voilà. On a. Non, c'est pas ça. Je descends. On a l'Etera. Ici. Ah, on a le. Je savais pas qu'il y avait le mont à MP. Ah ouais. Ok. Les protège-cartes ici. J'en ai déjà pris pas mal des protège-cartes. La punk, je trouve, elle est magnifique. Alors, celle-ci aussi. Hein. Voilà, on a une nouvelle protège-carte. Voilà, j'en ai pris déjà pas mal. Et on a aussi ça. Ah, il y a le prodige. Je vois que. Ah, magnifique ça. C'est le personnage supralourd. Putain, ça prend. Ça coûte que 50, je le prends. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Ah, j'aime bien. Franchement, ça fait bonhomme. Et puis voilà. Alors, quand on descend, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a aussi des cartes d'icônes. J'aime beaucoup la poly. Je trouve que ça rend super mal. Je pense que je vais le prendre. Ah, celle-ci est pas mal. L'œil maléfique, 4 d'icônes. L'œil maléfique, il est incroyable. Et puis après, on a aussi les papiers peints. Celui-là, je sais pas de c'est quoi cette carte, mais elle est magnifique. On a aussi la carte maîtresse, hein. Secours As, Turbulence, c'est ça, je crois que c'est Turbulence. Hein. Fierté d'or, Fusion du Marquis, on a les pochettes. Voilà. Et je crois que c'est tout. Et on a aussi des emplacements en plus. Voilà un peu pour le deuxième anniversaire et quand vous faites les duels, pour le moment je pense qu'ils vont ajouter à mon avis des trucs pour le deuxième anniversaire, hein, des événements, mais pour le moment on a que le match à classement. On a aussi un nouveau truc je vois, qu'ils ont ajouté, c'est Ami. Ah oui, je ne l'ai pas montré, attends je vais vous montrer, consulter le code de campagne. Donc on va consulter le code de campagne, mais je sais pas comment ça fonctionne, vous pouvez avoir carrément le deck AMP. Mais je sais pas ce qu'il faut faire avec 250 cristaux. Ici, un petit papier peint. 3 SR, ils auraient pu mettre UR. Hein. Honnêtement, franchement, ils auraient pu être gentils et nous mettre 30 UR. Hein. Voilà un peu les cartes ici. Ouais, ok, mais je sais pas ce qu'il faut faire pour ça. Et on a aussi un nouveau truc ici, mais je sais pas ce que c'est non plus. Ça. On peut avoir des récompenses, je vois ici. On peut avoir le machin dédié de l'unité en royal. Ah ouais, magnifique ça. Et vous pouvez voir toutes les personnes du monde en train de jouer tout ça. Ok, je vois. Et voilà. Et je ne vous ai pas montré aussi. Il faut que je descende tout en bas. Il faut que je descende tout en bas, je pense. Pour vous montrer. Voilà, vous avez le pack des anniversaires. Bon, j'ai déjà évoqué. Mais pendant 6 jours, je crois, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, pendant 9 jours. Je sais plus. Non, je crois que c'est pendant 6 jours. Je ne sais plus, attendez. Franchement, je sais plus. 6 ou 9 jours, peu importe. Et ben, chaque jour, vous allez pouvoir faire une invocation pour avoir une des cartes UR. Qui sont ici. Et moi, j'ai eu quoi comme carte? Ah ouais, j'ai eu ça. Voilà, j'ai eu ça en royal. Je sais pas ce que ça vaut, cette carte. Bon, c'est une carte pendule, et moi, je suis pas fan des cartes pendules. Mais après, vous avez des cartes pendules qui sont pas forcément nécessaires de jouer en pendule. Donc, ouais. Et ouais, donc, bah voilà, c'est ça. Je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ouais, c'est ça, j'ai raison. C'est pendant 9 jours, bah, chaque jour, vous allez pouvoir faire une invocation pour essayer de choper une carte royale. Donc ça, c'est cool. Voilà. C'est cool, c'est cool. Et je crois que bah, qu'on va se laisser là-dessus, hein, je crois. Ça, on est déjà à combien? 30 minutes déjà, 30 minutes. Ouais, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Bah voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah écoutez, prochainement, on testera un peu. On fera des duels avec le chevalier Nope. Et avec œil de serpent, Diable Star, voilà. On fera aussi des lives. Mais c'est vrai que pour le moment, j'ai plus fait vraiment des vidéos. Ça fait quand même 2-3 mois que j'ai plus fait de vidéos. Pour des raisons un peu personnelles, voilà. Je vais pas en parler ici. Il y a des moments en fait où je voulais arrêter cette chaîne. Je vous le dis, bah, je vous le dis un petit peu. Je fais mes vidéos un peu par passion parce que j'aime bien faire ça. Mais au bout d'un moment, quand ça n'avance pas forcément et que ça fait surtout 7 ans et que je vois des youtubeurs en 7 ans qu'ils ont déjà pas mal d'abonnés, je suis un peu parfois désespéré et donc du coup, j'ai pas le courage d'aller faire des montages et tout parce que ça prend beaucoup de temps. Et ce qu'il faut croire, ça prend du temps de faire des montages, faire des vidéos. Puis ensuite après ben, il faut faire s'inspirer, faire d'autres vidéos, faire aussi des vidéos. Il faut aussi faire ce qu'on aime bien aussi, pas faire ce qu'on n'aime pas. Et puis forcément avec des années ben, ça change, et tout ça. Et du coup, il y a des moments je me dis j'aurais bien arrêté parce que ça avance pas forcément sur la chaîne. Je trouve que voilà. Et j'aimerais bien aussi parfois proposer d'autres contenus par exemple. Mais j'ai pas le courage parfois, et puis j'ai aussi d'autres trucs et tout à faire sur le côté, donc c'est compliqué. Donc il me faut le courage pour continuer les vidéos. Mais en tout cas, j'espère que mes vidéos vous plaisent. En tout cas, voilà. Et bien sûr, je force personne à s'abonner à ma chaîne. Il y a bien des gens qui n'aiment pas ou mon contenu ne leur intéresse pas forcément. On n'a pas tous les mêmes goûts. Mais en tout cas, si mon contenu vous plaît, bah, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. C'est vrai que je le dis pas assez souvent. Voilà. Et de mettre un gros pouce bleu. Voilà. Ça m'aidera justement à continuer mes vidéos, justement. Voilà, il faut que je me remotive à continuer. Parce que c'est vrai que voilà, y a des moments où c'est pas facile. Voilà, c'est surtout que quand je vois que ça n'avance pas forcément et tout. Voilà quoi. Voilà, donc voilà. Après, voilà, je continue parce que c'est un truc que j'aime bien. Mais il y a des moments où soit j'ai pas le temps ou soit je suis démotivé parce que je vois que ça n'avance pas quoi. Voilà, enfin voilà, enfin voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et écoutez moi je vous dis à la prochaine et bien sûr bah voilà comme je le dis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît, à mettre un gros pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux, à partager la vidéo, à activer la petite cloche si tu veux pas rater les prochaines vidéos bien sûr, et moi je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et je voulais dire aussi que il y a un jeu sur PlayStation que j'attendais beaucoup, c'était Tekken. Je suis un grand fan de Tekken et je vous proposerai justement une vidéo avec Tekken, Tekken 8. Hein. Et j'ai aussi l'édition collector, j'ai tourné une vidéo sur l'édition collector. Maintenant, je sais pas si je vais la sortir parce que le jeu est sorti il y a quand même une semaine ou deux. Enfin, ça fait quasi 2 semaines. mais en tout cas, si vous voulez que je vous montre l'édition collector de Tekken, faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous la montrerai. Mais pour le moment, voilà, je vais pas montrer l'édition collector, voilà, tout simplement. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Attendez. I'm not afraid to die.